Eh bien salut tout le monde, c'est le Conquis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Call of, la campagne en mode vétéran. On avait fait une session combat de char totalement bidon, voilà. Comme j'ai dit, j'ai pas du tout aimé, donc bon bah écoutez, hein, c'est pas, on peut pas être satisfait de tout, hein, écoutez, hein, c'est pas, voilà. Hein. Mais bon, en tout cas moi pour ma part, effectivement je n'ai pas du tout aimé. Donc là, on va continuer où on en était. C'est parti les amis, en avant gagnant. Allez go. Allez, on va par où mec? On va par là, c'est partout. Allez go. Je fais quoi comme arme? Je fais de la merde, plus de la merde. Voilà. C'est tout bon. Ça envoie du lourd. Ok mec ton. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilant. Ah c'est trop tranquille. C'est trop tranquille. Eh bah oui, eh bah oui. Il est où ce con? Oh putain l'enculé! Ce qu'il vient de me mettre? D'accord. Continue d'avancer. Attends, si je fais ça. Ah d'accord, carrément, d'accord. Oh putain la salope. Attends, on va se healer un coup. Oh putain l'enfoiré, il est bien placé lui, hein. Oh aïe aïe aïe. Hein? Mais que... Putain, j'y crois pas. Bah attends mec, oh. Putain il est sérieux, il m'a pété ma life. Non mais what the fuck quoi le mec? Direct il te tire dessus d'un coup. Putain de pédéraste. Ok. Voilà, c'est bon, vous m'avez énervé. Toi aussi, joue pas au con. Oh putain, oh putain. Il est où le con, je vois pas. Pourquoi ça tire là? Pourquoi ça tire? Pourquoi tu tires? Mec, mec. Calmos, calmos, calmos. Y'a un autre pélo là? Ah ouais. Non mais attends, Noir de contrôle. Purée. Péché de merde. Merci. Ok. Donne des trucs. Donne des trucs. Ouvre un passage avec ton lanceur. Ça s'appelle un bazooka mec, hein, je t'explique. Je t'explique la situation. Non non bah non quand même pas, tu vas te calmer quand même hein. Ah d'accord. Ok d'accord. Non mais... Oh là là, c'est pas possible putain, c'est pas possible ce jeu. Oh là là. Ferme-la. Ouais d'accord, et la latence mon gars, tu sais. Putain de merde. C'est bon mec, je suis chaud. Putain mais tu meurs jamais gars. Tu meurs jamais. Tu veux peut-être que je sorte le bazooka, non peut-être. Continue d'avancer. Bordel. Pas possible ça. Ouais bah je t'ai vu net mon pote hein. Tu leur mets 612 balles mon gars. Les gars ils crèvent pas, ça me vénère. Putain ça me vénère. On serait sur, sur le mode multi. Allô? Allô? Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniel, il m'a fait un petit fake. Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tous sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance.
Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. Il pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniels, Sussman, vous ouvrez la voie. On y va! Évidemment. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Restez sur vos gardes. Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. Allez, Sussman. La voie est libre. En avant. Restez vigilants. Daniels, on a encore besoin de... Ferme-la. À tout jamais. Hein. Je vois rien du tout. Préparez-vous à tirer! Il y en a d'autres qui arrivent! Planquez-vous! Non mais putain, les mecs, je leur mets des rafales dans les gencives, mon gars! Quelle charogne! Il t'es pas mort toi mon gars. Non mais oh 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 oh. La voie est libre. C'est aberrant ça. Bien, passe devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Oh, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh. Très drôle. Passe imbécile. Vas-y. Ok. Il est encore en vie là. Ouais, non mais incroyable. Incroyable du cul. Je t'ai vu mec. Oh le bâtard, lui je l'avais pas vu par contre. Ah, il m'a one shot lui. C'est la réalité de la vie. T'es blessé. Les moches sont partout. Saloperie des moches. Gnac. Ah non mais une fois pas deux quand même. Ah ils sont au fusil de chasse les bâtards. C'est la vraie vie ça. Oh putain d'accord. Ah ouais d'accord, c'est vraiment l'embuscade de l'embuscadelle quoi. Ah merde, je l'ai loupé. Ah mais qu'est-ce que ça peut m'énerver ça. Non mais là, putain, c'est pas vrai. Sans blague. Putain, ce qui m'a mis. Quelle raclure. Attends, et si on passait par là? Waouh, non mais attends, le gars, mon... Non mais il te pète en deux en un millième de seconde. Infâme. C'est infâme ça! Voilà, alors lui je lui ai fait sauter. Voilà, lui aussi. C'est bon, ils sont en train de m'énerver là. Attends, je vais prendre ça parce que ça commence à me bouffer, hein. Alors. Il va paraître par où là, ce fumier de lapin? Sors! Sors de ta grotte, toi, voilà. Voilà. Il n'est pas mort alors qu'il se prend... Non mais... Non mais mon gars, il a la gueule en sang le gars, il ne meurt pas. C'est une aberration ça. Incroyable du cul. Oh putain, ouais d'accord. Le coup de pression tu sais. Le mec n'en peut plus. Oh putain. Non mais attends, il... Non mais c'est une blague là ou... Comment ça se passe là? Ah puis tu te recommences tout en plus hein.
Oh là là, tu lui vides un chargeur entier, mon gars, quoi. Oh. Non mais regarde, regarde-le. Non mais... Mais il ne meurt jamais. C'est la grande blague. Oh putain de ces morts. Oh, ce passage là, je pense qu'il va être bien chiant du cul là. Hein. Tu vas bien ? Ça va être bien chiant du cul ici. Ouais, oh, d'accord. Allez, voilà, tu veux pas mourir. Regarde-moi ça. Regarde, non mais jure. Lui aussi il est pas mort, non? Si. C'est incroyable du fion. Tiens, bah allez, vas-y, allez, hop. C'est gratuit. Oh le culé. Et toi tu tires pas, non, ça te dit pas de tirer. Mais il est où ce fumier? Alors moi on me fait ça, je meurs instant hein, par contre hein. Faut peut-être bon. Arrêtez les conneries les mecs. Putain de merde. Je peux monter là ou pas? Ah ouais. Ah, attends, c'est peut-être une bonne idée. Oh, d'accord, ok. Oh putain! Oh la vache! Ah, j'ai tellement fait caca. Ok, super. Ah, c'était. Oh non, mais. Ce jeu rend fou. Ils sont partout, tu sais. Les mecs, ils sont partout. Ils sont de toutes parts. Ils sont des milliers! Oh là 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 là, bordel. Non mais... Tiens. Putain de merde. J'en ai marre. Mais casse-toi, putain, mais casse-toi. Oh là là. Ce jeu me désespère. Eh, envoie des trucs, toi. Putain, il est trop loin. Chef, des munitions. Je te cours, soldat. Tu te paluches, toi, Zussman, là. Putain, je crois que c'était sa jambe à cet enfoiré d'handicapé. T'as failli te prendre un pruneau dans le fion, mon gars, je te le dis direct. Hein. On est presque à l'hôtel. Soyez discret. De merde. Ok, on y va. Descendez. Ah, vachement distrait ça, hein, vraiment. C'était super distrait du cul ça. Ce bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Ayello, enlève le frein et prends le volant. Allez. Ouais, pigé. Daniel, on a besoin d'un coup de main. Ouais, j'y suis, mon gars. Non mais. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Saloperie. Il reste de l'essence. Tiens, Juju, il faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise. Ok, on y va. Préparez-vous, les gars. Daniel, c'est encore un mur. Perce-moi ça. Ah ouais. Attends, fais voir la blague. Ouais, bah non. Hein. Forcément. Y'a pas un petit lance-patate dans le coin? Si, là. Daniel, okay. Fais sauter, reculez. Oui, ça va, ça va. Ça va, calme-toi. On doit nettoyer le hall. Zussman à droite, Ayello à gauche avec moi. Styles à l'étage avec Pearson. À vos ordres. Ah ouais. Allez-y, prenez les artères. Ah ouais, là, c'est un film. Progression au sud-ouest.
Non mais franchement quoi, c'est vraiment gonflant ça. Hein. Daniel, tu dois atteindre le couloir du fond derrière les escaliers. Contact à hauteur. Tu dois atteindre le couloir du fond, Daniel. Ferme-la. Mais tu vas la fermer, mon gars. Quelle bande de chiens. Oh là 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 là. Incroyable ça. Daniel, tu dois atteindre le couloir du fond. Putain, Sussman il commence à me gonfler à répéter ça. Il y avait un mec là sur le côté là, non? Putain. J'ai tellement pris Bagdad. Je l'ai abattu. Toujours là ce fumier là. Daniel, tu dois atteindre le couloir du fond derrière les escaliers. Non mais putain, sans déconner. Il vient d'où lui là? Non mais mec. Daniel, c'est encore un mur. En plus, je dois me taper tout ça. Et les tous au tapis, d'accord ? Reculez. Cousin, du port. On doit nettoyer le hall. Sussman à droite. Ayello à gauche avec moi. Stiles à l'étage avec Pearson. Ils sont tous dans la principale. En face, mitrailleuse dans les... Pourquoi j'ai pas de grenade là ? Allez-y, prenez les artères. Putain, non mais... Va la fermer ta gueule. Ah d'accord, donc j'ai même pas le pointeur, mais c'est pas grave. Daniel, oh, c'est putain. Encore un mur. Perçois ça. Elle est tous au tapis là. On doit nettoyer le hall. Sussman à droite. Ayello à gauche avec moi. Stiles à l'étage avec Pearson. On va essayer de passer par là peut-être. T'es pas mis une tête toi? Putain. J'ai vite tiré comme un... Merde. Sors ta tête, connard. Je sais pas si j'ai touché là. J'ai pas de munitions.
T'as guignolo là. Il me faut des munitions, chef. Tiens, Daniel. Elle est bien cette petite arme, j'aime bien. Voilà. Putain de merde. Putain de sa race à celui-là. Oh l'enculé. Voilà. Voilà. Putain, c'est pas facile là, hein. Pas facile du tout là. Avance, Daniel. On doit nettoyer la zone derrière l'escalier principal. Laissez. Laissez. Je vais les nettoyer. J'espère que c'était les derniers. Bon, je dois la péter ou pas la porte là. Non. La deuxième section ratisse les étages. Putain. C'est un truc de fou, hein. Oh, un truc de fou là, ce passage. J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Daniel, à toi la porte. Lumière. Ça pue du fion, ça. Un enfant. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Fin de pédophile. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger, ma soeur. Pitié, aidez-nous. Non, non, non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef! Vous devriez venir voir. Ah oui, ils sont... Ah oui, d'accord. C'est la famille, quoi. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Je ne parle pas Bosch, ma belle. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion, rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. Ça sent la mission plan cul, ça, hein. Je me demande ce que tu caches d'autre, Ersus Man. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat, jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. Je ne reviens pas que Ersus Man nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose. Oh merde, putain. Il avait tellement une gueule d'allemand, ce con. Obligé que je lui en mette une dans sa gueule. Des vieillards aussi. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ok. Je vais aller où là? Allez. Ok. Je vais pas en avoir pour bien longtemps. D'accord, on te couvre.
Allez, j'imagine qu'on doit tenir la position. Il est où ce fuck you? D'accord. Putain, c'est pas possible. Oh, les mecs ne meurent jamais, c'est l'enfer ce jeu. Putain, incroyable, incroyable. Ouais, là, j'ai mis une tête quand même, il peut mourir, non? Il a le droit. Mais attends mon gars, je suis au bazooka, c'est quoi cette merde? Le truc il pète pas. Putain, il y a des moments quand même dans ce jeu là, des fois t'as des trucs incompréhensibles quand même hein. Putain. Ok, ah oui d'accord, ok. Je monte par là. Allez, grimpe, vas-y. T'as réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Ou alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça là. Décide-toi. Wilson a raison, Daniel. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et carre-le dans la rue. Oui, sergent. Allez, sors les civils de là. Allez, allez, allez. C'est là, leurs renforts sont en route. Anna? Anna! Hey, où est-ce que vous allez? Manifeste, avec vos forêts. Qu'est-ce qu'elle dit là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Ben elle peut y rester, on doit tirer tout ce monde de là. Allez! Lieutenant, s'il qu'est-ce plaît. Que je viens de dire? Tu as 2 minutes! Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Ah ouais, d'accord, mission suicide du cul. Et là, je vais me prendre une basso, je vais crever en direct live. Merde! Voilà. Ok. Oh putain. Oh putain. Je fais quoi? Non. Mais c'est la vraie vie ça? D'accord. Ok. Pourtant j'ai... D'accord. J'ai pas compris là, mais bon, c'est pas grave. Putain. Ah, ouais, d'accord, faut être au centre. Bordel de merde, quel enfoiré. Oh putain, ninja. Us. Oh putain, ça pue du fion. Ah, les balles ont traversé la porte, mais ça ne m'a pas touché. D'accord. Bien sûr. Évidemment. C'est la logique des choses. Hein. C'est la logique des choses. Appuie sur N pour appeler Anna. Je dois trouver Anna. Anna, où es-tu? Anna? Putain, notre petite conne. Elle doit être ici quelque part. On va appeler quand même. Hé, hey, t'es là. Ok.
Putain, nous fait chier cette gamine. Anna, j'espère qu'elle est pas montée. Ok. Anna, toujours rien. Ah. Hé, hey, petite. Hé, hey, petite. Retournons voir ta Viens. Soeur maintenant. Viens me prendre d'un bonbon. Viens me voir. Viens là. Eh, viens voir papa. Ah, ça pue, ça. Chut, chut. Oh my Tout god. Putain. Oh, ça sent tellement le fion. Oh le bâtard! Attendez! Je me rends! Bah ouais, non mais putain la vache. Ah, ça va être tendax du fion là, hein! Ça va être tendax du fion. Est-ce qu'il y en a un autre? Alors attends, si je fais ça direct. Ouais. Je te protégerai. Oh là là, les histoires. Oh les histoires. T'as parlé japonais la meuf ou quoi, comment ça? Oh là là. Erika. Mais ferme-la. Genre il m'a vu. Arrêtez, putain pas. De saloperie. Genre il me voit quoi, putain. Tout va bien. Ah là 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 là. Oh là 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 là, je suis un fou. Calmos. Là, il y a l'autre pédéraste. Voilà pour toi. Ok. On lui colle au cul. Il y a l'autre qui passe là. Voilà, ouais, salut Michel, ça va et toi? Ouais, tranquille. T'as vu Jasmine? Non. Non, je l'ai pas vu. T'as vu, ouais, je suis tranquille quand t'as regardé. Allez, file. Voilà, lui se barre, ok. Voilà, on peut chiner. Tac. Ok, lui c'est cool. Lui c'est cool. Là, il y a un enfoiré de pédéraste. Où est-ce qu'on peut se cacher? Là? Ouais. Je pense que c'est bon là. Il passe, ok. Il me voit, hop. Ok. Us, vite. Merde. Oh le jouet, oh le jouet. Oh la peluche connard. Oh. Ça sent le cul. Schnell. Et là va voir le truc, voilà, et là ça va partir en fight. Obligé. Ah ouais, ton putain de jeu, il a failli nous coûter la life là. Tu t'en sors très bien, on y est presque. La ferme. Tu vas devoir être courageuse une dernière fois. Oh, à mon avis, ça va schlinguer du cul encore. Oh putain. Où est-ce qu'il vient? Pas le choix, faut y aller. Il est raus hier. Je suis avec toi. T'en fais pas.
Oh la vache. Par ici. Si si, par ici. Putain, c'est tellement chaud. Putain, c'est quand même bien fait quand même. Par contre, les l'IA et tout machin, enfin le la mise en scène est quand même sympa. Ok, c'est cool. Oh putain. Encore un petit effort. Ok, ton meurt. Daniel, faut qu'on se tire d'ici. Conduis-la au camion. Ok, c'est cool. Il est où le camtar? Il est là. Allez ma gueule. Allez ma gueule. Putain. Anna! Merci. Mama a gesagt, ich soll mich Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Ok, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer des tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions. Ok, ça sent le fion encore. On doit nettoyer la rue. Oh là 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 là. Oh, j'ai fait un lâcher de salope là. Ok, c'est good. La rue est dégagée. Tout le monde va bien. Hey, tout le monde est là. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Fais gaffe. Ok, nickel. Ils ont tiré sur le camion. Ah, la galère. Ah bah ouais. Cuite. Elle est morte. Allez-y. Allez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres. Tout le monde retourne à l'hôtel. On bouge, on bouge, on bouge. Hé, hey, on peut plus rien faire. C'est un peu un bâtard lui quand même, hein. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Bon, bah écoutez, on va se laisser là les petits amis. Encore un passage bien compliqué franchement. Plus ça va, plus c'est chaud j'ai l'impression. En tout cas bon. C'est vrai que bon, le jeu quand même est vachement sympa, la campagne est quand même assez bien faite et j'avoue que c'est franchement cool quand même, la mise en scène etc était vachement sympa là, pendant la comment dire pendant l'extraction hein, entre guillemets de la jeune fille mais bon hein, le jeu quand même est franchement dur en vétéran. Ça fait péter des câbles. Enfin bref, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir encore hein, une fois de plus comme toujours de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne soirée à tous. Ciao ciao.